Actuellement, encore dans une sacrée expédition. Et cette fois-ci, je vous emmène avec moi. Je vous emmène dans notre dressing qui n'est pas très rempli vu qu'on est venu pour un séjour très court aux Maldives. Ici j'en ai 4 robes je crois. Là il y a mes paires de chaussures. D'ailleurs le contraste il est pas mal quand même entre ça, la petite paire de Prada juste ici, la paire de Gucci, et je vous jure celle que je mets le plus c'est celle-ci. Bref, là j'ai mes vêtements, maillot de bain ici. Ça c'est un colis des Sorka que j'ai emmené avec moi juste avant de partir, que des tenues colorées. Je porte d'ailleurs sur moi là le pantalon et la tenue de ce soir. Je vais vous montrer que des pépites. Première tenue les filles, on a cet ensemble les Sorka qui est magnifique, que j'ai pris en plusieurs couleurs. Donc vous avez le long gilet avec les manches bouffantes. Au niveau du pantalon, le pantalon il est vraiment travaillé, donc c'est ce que j'adore parce qu'en général les ensembles c'est genre à la cool, mais là pour le coup je vous montre le pantalon, il est en mode pantalon pince, tout à l'arrière c'est élastique, donc autant vous dire qu'il est méga confortable. Il est... Bref, l'ensemble est magnifique. Vous avez une petite ceinture qui est fournie avec si vous souhaitez la mettre au pantalon. Mais moi, perso, je vais vous montrer. Je préfère la mettre juste ici. J'ai pris mon combi orange, hyper légère, très agréable. Au niveau du décolleté, c'est vraiment vous qui l'ajustez. Là, perso, je l'ai monté jusqu'ici. Ça ne bouge pas du tout, les filles. Vous avez un nœud pour marquer au niveau de la taille. Et au niveau du pantalon, c'est une matière plissée. Hyper élégant. Cette tenue, les filles, elle est tellement élégante. Je vous l'ai déjà montré, je l'avais pris en beige. Du coup, cette fois-ci, j'ai pris que de la couleur avec les beaux jours qui arrivent. Au niveau de la longueur, vous voyez que c'est un petit peu long, donc il faudrait que je mette une petite paire de petits talons. Et pour les filles qui sont un peu plus grandes que moi, bah, ça sera parfait. Matière trop légère, trop agréable sur la peau. C'est hyper extensible aussi. Et au niveau de la coupe, vous voyez, c'est ouvert comme ça. Bon, avec un soutien-gorge plus adéquat, bien sûr. Mais là, c'était simplement pour vous montrer. Dernière tenue, c'est une abaya, les filles, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas montré. Alors celle-ci, elle a plein de détails au niveau de la broderie et du col. Vous voyez, vraiment très jolie avec de la dorure comme ça. Pareil au niveau des manches, regardez, je vous montre. C'est super joli, la matière elle est trop agréable sur la peau. Franchement, ça donne envie de porter ça toute la journée. Et en plus de ça, elle est carrée. The black what's the name? Wow, this is... Hola, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, on vient de rentrer. Vous pouvez voir que j'ai le corps. Je me suis hydratée à fond avec du baume égyptien. C'est hyper puissant pour l'hydratation. Bref, j'en ai mis partout sur mon corps. Et là, dès que j'aurai fini de vous parler, je vais en mettre plein sur mon visage. Sinon, là, je serai clairement une boule à facettes au niveau de la face. Mais j'ai pris des couleurs. Malgré le 50 que je mets, franchement... Je mets du 50 partout ici sur le visage. Et pas aujourd'hui, je pense que j'ai juste passé trop de temps à l'extérieur et que le soleil m'a quand même fracassé. Sinon, rien à voir, je sais qu'il y en a plus d'une qui est en train de préparer son summer body pour cet été. C'est fou cette motivation qu'on trouve juste avant les beaux jours. Alors autant en hiver, à aucun moment, il y a cette motivation qui vient dans notre cerveau en mode « Allez, reprends-toi, fais attention à ton alimentation. » Mais dès qu'il y a du soleil, on est là en mode « Ouais, ça y est, je commence lundi, je fais attention à ce que je mange. » Moi, là, du coup, je vais vous parler de SoShape. Donc, c'est un challenge minceur qui va te permettre de sécher. De sécher, ce que je veux dire par là, c'est que tu vas perdre ta graisse, mais en aucun cas, tu vas perdre tes muscles ni ton énergie. Tu vas faire aucune carence parce que dans ces petits berlingots, qui sont du coup des substituts de repas,
tu as tous les nutriments nécessaires dont ton corps a besoin pour tenir une journée. À peu près 250 calories par berlingot. Il suffit d'en prendre un le matin. Le midi, t'es off, tu manges ce que tu veux. Le soir, tu en reprends un. Et le week-end, t'es off aussi. Donc, c'est vraiment un challenge facile, pas difficile. Moi, j'ai reçu leur nouveau shake. Donc, c'est un shake électrique, c'est trop stylé. Il mixe à ta place, t'as même pas besoin de checker. Les berlingots, ça se mange comment? T'en as à boire ou t'en as à manger? Je les ai pas emmenés avec moi, j'avoue que moi, je suis friande de tout ce qui est sucré. Là, c'est coco choco. J'ai emmené avec moi celui-ci qui est spéculoos. J'ai emmené celui-là, c'est tarte au citron, cheesecake citron, bien frais les filles, il est magnifique. Moi, avec ce shake, j'ai vraiment l'impression de boire des milkshakes. Vous voyez, des milkshakes bien sucrés, alors qu'ils sont pas sucrés, qu'ils sont hyper faibles en calories. Mais il y a aussi des pâtes, du risotto. Si tu as ce besoin de, tu vois, quand tu fais un rééquilibrage alimentaire, si tu as ce besoin de manger et de ne pas boire uniquement, ils proposent des risottos, des pastas, trop de choses. Et d'ailleurs, les petites nouveautés, c'est ces cookies. Autant vous dire que je les ai emmenés avec moi, puisqu'ici, la nuit, avec Anna, on regarde pas mal de films, mais j'ai pas envie de craquer. Il y a pépites de chocolat et pépites de chocolat. Voilà, on va regarder un film, donc je vais me faire le cookie amande chocolat blanc. T'as l'impression de manger, pour ceux qui aiment la galette des rois, la galette des rois avec des pépites de chocolat. Genre c'est incroyable, je chuchote, je sais pas pourquoi, mais c'est incroyable. C'est des cookies hyper faibles en sucre. Rapide, tu te régales et tu vois ce côté ballonné, ça tu le ressens dès le J2. Enfin, genre, c'est vraiment si par exemple tu te sens ballonné, tu prends un sous-chef, comment tu vas te sentir bien? Ton ventre il va se creuser, s'affiner. Genre, je sais pas, moi, sous-chef, c'est vraiment quelque chose que je connais depuis peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, et je m'en lasse pas. Je kiffe. Si j'ai envie de perdre ou de faire attention, c'est sous-chef. Et si tu te poses la question, c'est le genre de cookies mi-cuits qui sont incroyables. C'est pas des cookies durs. C'est des cookies moelleux. Trop bons, les filles. Bref, je vais vous mettre mon code promo. Si ça vous intéresse, franchement, foncez. Et donnez-moi vos avis aussi.